Bonjour les rangers. Êtes-vous prêts pour la danse de la Saint-Valentin? Non, pas tout à fait, Echo. Tu es vraiment très beau, Torch. Je suis sûre que Truttle sera impressionné. Joyeux Saint-Valentin, Nora. Joyeux Saint-Valentin, Johnny. J'aime ton nœud papillon. Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Oh, tu ne trouves pas, Truttle? Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle est ici quelque part. Je vais aller la chercher. Je resterai avec toi, Torch, pendant que Johnny trouve ta Valentine. Pas vrai, Johnny? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, mon ami, je la trouverai. Echo, peux-tu essayer de localiser Truttle, s'il te plaît? Bonjour, Ranger. Les dernières traces de Truttle que je peux détecter se trouvent sur le sentier de Beth. Elle pourrait être là-bas. Merci, Echo. Ça va, Truttle? Torch t'attend au bal. Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Oh, je vois. Tu ne sais pas danser, n'est-ce pas, Truttle? Je vais t'apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, t'es une vraie danseuse. On peut aller au bal maintenant? Torch t'attend. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on s'arrête? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Je pense que Truttle est trop timide, Johnny. Elle aurait besoin d'un peu d'encouragement. D'accord. Laisse-moi te montrer quelque chose. Merci d'être resté avec Torch, Nora. Félicitations, les rangers, pour avoir si bien pris soin de vos amis et leur permettre de passer un bon moment. On peut vraiment tous s'amuser ensemble maintenant. Joyeux Saint-Valentin à tous. Entendu ça? Hein? Wow. Johnny! Hein? Bonjour, oh. Ranger. Il semblerait que ce crocodile broyeur de pierre souffre.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais le rejoindre et le découvrir par toi-même. Je parie qu'il aime les bonbons de pierre. Viens, Torche. Hé, salut. Oh, il a peur. T'inquiète pas. Je suis Johnny et voici Torche. Toujours prêt à aider. Waouh, regarde ça. On dirait que ses dents lui font mal, Johnny. Tu peux regarder de plus près pour en être sûr? T'inquiète pas, nous allons prendre soin de toi. Oh oh, il semblerait que ce crocodile broyeur de pierre soit un grand fan de bonbons de pierre. Oh, il en a tellement mangé qu'il s'est fait une carie. Peux-tu le soigner, Johnny? Tout va très bien se passer, t'inquiète pas. Bien, laisse-moi voir ça. Je vois. Pas de problème, je vais arranger ça. Je pense que Tracodile a peur de ton appareil, Johnny. Il pense que ça pourrait faire mal. Mais pourquoi? Tu ne dois pas avoir peur. Oh non. Vite, Johnny, suis-le. On ne peut pas le laisser souffrir. Allons-y. Attention à ne pas tomber à l'eau, Johnny. Johnny? Bien joué, Ranger. Maintenant, va trouver notre crocodile blessé. Pas le temps de réfléchir. Allons-y. Torche, tu vois quelque chose? C'est par là. Viens. Où peut bien être ce crocodile? Torche, est-ce que tu sens quelque chose par ici? Il n'a pas l'air d'être là. N'abandonne pas, Johnny. Tu sais, peut-être que... Il semble venir du marais. Vite, allons-y, Torche. Il est là-bas. Bravo, Johnny, tu l'as retrouvé. Maintenant, soignons sa dent. Mettons-nous au travail. Salut, mon ami. Est-ce que tu vas bien? Sois gentil. Tu es prêt, mon ami? On va bien faire ça, tu verras. C'est bien, ça. T'as vraiment été très courageux. J'ai terminé. Je pense que tu te sentiras mieux maintenant. Bravo, Johnny. Tracodile semble beaucoup plus heureux. Nous avons bien mérité une friandise. Ok, Johnny, mais juste une seule. Il est normal de manger des bonbons de temps en temps. Mais vous devez vous brosser les dents tous les jours. Pas l'inverse. Pas vrai, Tracodile? Au revoir, les Rangers. Excellent travail, Torche. Toujours l'esprit d'équipe. Yeehaw! Et voilà. N'est-ce pas merveilleux? Trop mignon. Arrête, Torche. Il y a un problème à la grotte de la peur. Ça serait mieux d'y aller au plus vite, équipe Toolbox. Allez, Torche, on a du pain sur la planche. Bonjour, l'équipe Toolbox.
Il y a une urgence à la grotte de la peur. Krusty a vu un trèfle à quatre feuilles en or tout en haut du mur et il essaie de grimper pour l'attraper. Il le veut tellement qu'il se met en danger. Il y était presque arrivé, mais... Sous son poids, le mur a commencé à s'effriter et Krusty est suspendu à un morceau de rocher. Il va falloir être rapide pour sauver Krusty avant qu'il ne tombe. Allez-y aussi vite que possible. Anima Watch, check. Anima Tool, check. Prêt pour l'action, Torche. Les secours arrivent. Dépêchons-nous. Oui, c'est parti. J'ai hâte d'atterrir. Qu'allons-nous découvrir cette fois-ci? Oh non, c'est coincé. Les secours arrivent. Comment pourrait-on y aller? J'ai une idée. Mon ami ne peut pas le faire. Allez un peu vite, je crois, mon ami. Nous avons encore besoin d'aide. Je pense que c'est une bonne idée, Johnny. Pourquoi ne pas appeler Dump Trucks pour vous aider? Il est toujours aussi fort et courageux. Anima Watch activé. Animapod, go! Aidez-moi, s'il vous plaît! Allons sauver l'animaca! Allez, ça va marcher! Wow! Okidoki! Restons concentrés! Comment? Wow! Ouf. Ouf. Ça plus c'est rapide, mieux c'est. J'ai un mauvais pressentiment. Phew. Wow. Hein?
Wow! Excellent travail, Team Toolbox. Le travail d'équipe a vraiment sauvé la journée. Et un peu de chance ne fait pas de mal, parfois. Wow. Il est temps d'aller jouer! Voyons voir ça. Bon chien. Chut, t'as entendu? Hein? Trop bien! Super! Ça, c'est drôle. Impossible! Aïe, voilà! Hey! Quelle aventure aujourd'hui! N'est-ce pas, Torch? Rien n'est impossible pour l'équipe Toolbox! Tu fais ça bien, Torch! Tu m'as fait peur, Torch! Allez, allons voir le gâteau d'anniversaire de Bulldozer! Le gâteau n'est plus là. Regarde, quelqu'un doit l'avoir mangé. Démolizard, tu n'as pas l'air très bien. As-tu mangé tout le gâteau d'anniversaire de Bulldozer? Bonjour, Johnny. Démolizard semble vraiment malade. Utilise le thermomètre pour vérifier sa température. Exactement ce que je pensais. Il a mangé trop de gâteaux et il s'est rendu malade. Peut-être que tu peux lui donner un sirop spécial pour le guérir. Allez, Démolizard, je sais que tu te sens rassasié. Mais tu en as besoin pour te sentir mieux. Sois courageux, mon ami. Bon travail, Johnny. Un peu de repos et Démolizard devrait être guéri. Bien vu, Torch. Reste là et fais une petite sieste, mon ami, avant que la fête ne commence et... Oh non, la fête! On devrait préparer un autre gâteau pour Bulldozer avant qu'il n'arrive. Vous avez besoin de plus de fruits et de lait de coco, les Rangers. Dépêchez-vous. Là, Torch, il y a des noix de coco. Mais comment aller jusque là-haut? Super, Will et Fentella, mon ami, peux-tu nous aider? Attention, Torch! Maintenant, nous avons besoin de fruits. Mais lesquels? On a utilisé toutes les bananes pour le gâteau précédent. Ah! Je pense que Will Effunt a une idée. Dépêchez-vous, les Rangers. Bonne idée, Will Effunt. Bill va adorer ce gâteau. Travail, les Rangers. Maintenant, il est temps d'aller voir comment se porte Démolizard et cuire ce gâteau. Hé, mon ami, comment était ta sieste? T'as l'air d'aller mieux maintenant. Allons maintenant cuire ce gâteau. Merci, Crocodile. Bravo, les Rangers. Le gâteau d'anniversaire de Bulldozer a l'air incroyable. Prêt? Joyeux anniversaire, Bill!
as eu ta part, n'ai-je pas raison? Joyeux anniversaire, Bulldozer. Tu as attrapé quelque chose, Torch? Ah, la pêche demande d'avoir tellement de patience. Tractel, tu veux essayer de pêcher avec nous? Tractel? Je pense savoir ce qui s'est passé. Bonjour, Ranger. Tractel voulait sentir cette minuscule plante carnivore. Mais il s'est fait mordre le nez. Je suis sûre que c'est pas grave. Laisse-moi voir si tout va bien, mon ami. Plus de peur que de mal. Et voilà. J'ai mis un pansement très spécial. Doucement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu comptes pas lui rouler dessus, n'est-ce pas? Je pense que c'est une plante carnivore, Trottle. Tu vois ses petites dents? C'est exact, Johnny. C'est une plante bébé carnivore. Ces plantes se nourrissent de minuscules insectes. Ah, elle pensait probablement que Trottle était un grand déjeuner. Mais elle n'a pas l'air d'aller bien, elle a peut-être faim. Elle pourrait avoir besoin d'eau, Johnny. Il n'a plus depuis des jours. On peut s'occuper de ça, n'est-ce pas, Tractel? L'arrosage ne semble pas la rendre plus heureuse. Bien vu, Torch, analysons-la. Je suis sûre qu'il nous manque une information. Vous avez raison, Ranger. Il semble que ces plantes ont également besoin de beaucoup de soleil. Et celle-ci est cachée par une grande feuille de palmier. Mais bien sûr, mettons cette feuille de côté. Vous pouvez me donner un coup de main? Wouhou! Oh, mais pourquoi elle n'a pas l'air d'aller mieux? Parce que, Johnny, ces choses prennent du temps. Tout comme la pêche. Vous devez l'arroser tous les jours et être un peu patient, Ranger. Oh, d'accord. Je suppose que nous reviendrons demain, n'est-ce pas, Tractel? Très bien. Alors à demain, petite plante. Bonjour, petite plante. Bonjour, petite plante. Bonjour, petite... Waouh, ça va beaucoup mieux. Excellent travail, Tractel. Elle est devenue tellement grande, n'est-ce pas, Tractel? Tractel, t'as peur?
Je pense qu'elle s'excuse pour ta morsure de nez, Troctel. Bien joué, Troctel. Tu as été très courageux et attentionné, même si au départ, c'était difficile. Et bravo, Ranger. Tu lui as permis de grandir. Et même de se faire un ami. Ouais, excellent travail, les amis. Nous avions juste besoin d'un peu de patience.